Chers élèves, bonjour. Dobrodošli na sat francuskog jezika za peti razred. Naša današnja tema je Ma famille, ma maison ou mon appartement. A ja sam Kristina Pirs, vaša učiteljica. Svojom aktivnošću na ovom satu ostvarit ćete sljedeće odgojno-obrazovne ishode. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable, d'une connexion à Internet. Vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Dragi učenici, podsjećam vas da ovu video lekciju možete uvijek zaustaviti i ponovo pokrenuti. Et on commence. Où est-ce que tu habites? J'habite dans une maison. J'habite dans un appartement. Une maison. Un appartement. Dans une maison ou un appartement, il y a des pièces. Les pièces d'une maison ou d'un appartement sont, par exemple, l'entrée avec l'escalier, la cuisine, le salon. La chambre. La chambre d'enfant. La salle de bain. Les toilettes. Le couloir. Le bureau. Mais autour d'une maison, il y a le jardin et le garage. Où est-ce que tu habites? Sada kada smo naučili dijelove jedne kuće ili stana, naučimo i mjesto. Tu habites en ville? Oui, j'habite au centre-ville. Oui, j'habite en banlieue. Pa ponovimo opet. J'habite au centre-ville. Mes amis habitent en banlieue. Où est-ce que vous habitez? Vous habitez à la campagne? Oui, nous habitons dans une ferme. Où est-ce que tu habites? J'habite avec mes parents et mes sœurs. Où est-ce qu'elle habite? Elle habite avec sa mère. Mes cousins habitent avec leur père. Maintenant, chers élèves, ouvrez vos cahiers et copiez. Mais posez cette leçon vidéo. Et voici une activité pour vous. Regardez la vidéo. La vidéo s'appelle « Chez moi ». Et ce lien vous permet l'accès direct à l'activité. bit.ly chez moi 7. Ou scannez ce QR code
avec votre smartphone. Dragi učenici, ovom videu možete pristupiti na dva načina. Tako da u adresnu traku vašeg internetskog preglednika upišete sljedeću poveznicu: https://bit.ly/shemua7, ili vašim pametnim telefonom skenirate ovaj QR kod koji se nalazi na ekranu. Podsjećam da aplikacije kao Viber ili Snapchat u sebi imaju ugrađen QR kod čitač. Nadam se da vam se svidio video Shemua, pa pokušajmo zajednički odgovoriti na sljedeća pitanja. Où est-ce la petite fille habite? La maison ou l'appartement? Où est-ce le garçon habite? Odgovorite na ova pitanja. Où est-ce la petite fille habite? Où est-ce le garçon habite? I nadam se da ste uspjeli. La petite fille habite dans une maison. Et le garçon habite dans un appartement. Pa sljedeći zadatak je pogledati video Shemua još jednom. Zato se posjetimo kako možete pristupiti videu. Uz pomoć poveznice https://bit.ly/shemua7 ili uz pomoć QR koda koji se nalazi na ekranu. Sada kada ste pogledali ponovo video, vjerujem da možete riješiti sljedeći zadatak razumijevanja slušanjem. Aktivite 2. Dites si ces pièces se trouvent chez la fille ou chez le garçon. Zadatak je izrađen u digitalnom alatu i možete mu pristupiti na dva načina. Putem poveznice https://bit.ly/3-5 ili putem QR koda koji se nalazi na ekranu. Zadatak je kviz pitanja višestrukog odabira, a za nastavak odaberite točan odgovor. Sada ćemo još jednom ponoviti kako pristupiti kvizu. Zadatku možete pristupiti putem poveznice https://bit.ly/3-5 ili putem QR koda koji se nalazi na ekranu. Le quiz. Appuyez sur la bonne réponse. Nakon što ste vrijedno riješili sve aktivnosti u ovoj video lekciji, vrijeme je za samovrednovanje. To je jedna izlazna kartica, a možete ju pristupiti na dva načina. Putem poveznice u adresnu traku vašeg internetskog preglednika upišite sljedeću poveznicu: https://bit.ly/izlazna kartica7 ili jednostavno skenirate QR kod koji se nalazi na ekranu. Podsjećam da aplikacije kao Viber ili Snapchat u sebi već imaju ugrađen QR kod čitač. Nakon što riješite izlaznu karticu, dobit ćete trenutačnu informaciju koliko ste dobro usvojili današnju lekciju. Merci et au revoir!